Salut tout le monde, on se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo, c'est pour finir ces histoires de contrôle technique. Et le contrôle technique, voilà, c'est arrivé, c'est le jour J, donc le contrôle technique, bah, c'est juste après, à 14h. Allez, générique, c'est parti. Bon, bah, j'espère que ça va passer parce que celui-là, y a un faux contact, quoi. Il y a un faux contact, donc il marche pas terrible. C'est un peu prise de tête, quoi. Ce que je voulais faire aussi, c'est passer le camping-car au Karcher, tout nettoyer, mais bon, j'aurai pas le temps, c'est ça le problème. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Donc là, à la porte, c'est un peu dégueulasse parce que j'avais mis de l'huile ici, ça c'est un peu crade, quoi. Là, il y a un truc crado aussi qui est tombé ici. Bon. Derrière, ouais, c'est un peu sale, mais bon, là, il faudrait que j'y aille au Saint-Mars, je pense. Avec du Saint-Mars, ça ira. Bon, alors, on croise les doigts. On va voir si ça passe. De toute façon, je vous tiens au courant. C'est juste après, c'est à 14h. Donc voilà, quoi. On croise les doigts. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, il est là. Il est là, il nous faut absolument ce contrôle technique pour pouvoir partir en vacances. Alors voilà, on se retrouve juste après le contrôle technique, donc là j'en reviens. Alors il y a une contre-visite, mais bon, le monsieur m'a dit c'est bon, vous pouvez partir en vacances, c'est pas hyper grave quoi. Donc contre-visite pour resserrer le frein à main. Donc, ma réparation des anti-brouillards, c'est foutu. C'est mort. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, là? Enfin, bon, on a bien rigolé. Donc, je lui ai dit, bah ouais, mais sauf que c'est introuvable, cette pièce. J'ai appelé partout, Ford, Europe et machin, c'est introuvable. Donc, il m'a donné la soluce. Je les débranche derrière. Je rachète du plexiglas blanc, opaque. Et puis, roule ma poule, ça va passer. Il faut que je vérifie le système électrique, ça je vais le faire avant de partir en vacances. Parce que mon plein phare avant côté conducteur ne marche pas. Donc ça me prend la tête, c'est clair. Donc voilà, et puis j'ai une fuite d'huile au niveau du filtre à huile. Donc il m'a dit, ça il faut le faire, il faut resserrer les bagues, ou il faut trouver la panne. Nettoyer le moteur avec au Karcher, un truc comme ça, paf, remettre bien propre, vous me le ramenez, et c'est bon, ça va passer, quoi. Donc voilà, quoi, on peut partir en vacances assez tranquillement, ou peut-être qu'il y a des choses que je ferai là-bas en vacances, quoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc c'est cool. Bon, bah on peut partir en vacances, comme je disais juste avant, là, sereinement. J'ai déjà pris rendez-vous début septembre pour la contre-visite. Et du coup, faut que je m'arrête à l'autre garage d'à côté, voilà, pour cette histoire de filtre à huile et de frein à main, et voilà, on peut partir en vacances, l'esprit tranquille, ce qui est quand même super. Alors, où est-ce qu'on va en vacances? Ça, c'est encore un mystère. Il y avait plusieurs options, Chamonix, un peu de Suisse, un peu d'Allemagne. Moi, j'aurais bien été dans le Tyrol aussi, à Salzbourg, voir sur les traces de Mozart. Ça m'aurait bien fait plaisir, voir là où il est né, tout ça. J'aurais bien été à Munich aussi. Faire un petit peu d'Allemagne, pourquoi pas l'Europa Park aussi, ça peut être cool. Tout est une question de budget, quoi. Pour le moment, à vrai dire, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors, si vous voulez suivre nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner, surtout vous abonner. Pour cette vidéo, évidemment, hein, comme d'habitude, quoi, le petit pouce en l'air. Et puis voilà, quoi, si vous voulez lâcher un commentaire, hein,
allez-y, quoi. Vous allez vous moquer de moi, évidemment, avec mon système de vitres phare anti-brouillard. Bah, finalement, c'est pas passé, quoi. Donc, le verdict est tombé. Voilà, voilà. Bon, alors, on vous dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Nous, normalement, on part aux alentours du 28, parce qu'avant, bah, Chloé bosse. Clémence, elle est inscrite à la crèche. Et puis, bah, moi, j'ai pas mal de concerts à venir, là, dans la deuxième quinzaine de juillet. Donc, voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Grosse bise. Allez, ciao !